عام. انا قلت عليكم مش هتوصل بس واعرف لا يعرف تعرف اكثر مني هو معروف رقم هو اكثر من 20 سنه في هذا المجال 30 سنه الله اكبر شرف الاقبال 30 سنه بالدعوه والله تبارك وتعالى اكتب له هذا المجال ديالو بالدعوه هذه لك بارك الله فيك انا اقول له كلمه ايام كثير بارك الله فيكم بسم الله خطاك من التحول C'est dans quelques minutes, Inch'Allah, le temps que les frères terminent la prière. Subhanallah, c'est juste... avant de commencer, c'est juste une petite parenthèse. Quand notre cher Hafidhahullah a parlé du nombre d'années de da'wa que l'être humain est capable de faire sur cette terre. Puis, subhanallah, il a dit 20, et moi, pour rigoler avec lui, je lui dis 30. Vous savez, 10 ans dans une vie, c'est 10 ans. C'est long. Mais tout ça, en vérité, pourquoi? C'est juste pour profiter de... ces quelques petites minutes, le temps que nos frères terminent. C'est juste pour dire que si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas fait que... Vous savez, on est comme la plupart ici, on est né ici. Hein, on est né en Belgique, même si on approche 50 ans, on est né ici. Et si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas fait que certains mashayikh comme Cheikh Mohamed Toujiani, hafidhahullah, ou Cheikh Al-Kharraz, hafidhahullah, Cheikh Al-Mudden, rahimahullah, hein, certains mashayikh qui ne nous ont pas, subhanallah, comme on dit, accrochés, attrapés, quand on avait à peu près dans les 14 ans, hein, c'est loin ça, 14 ans, yak. Hein, s'ils ne nous avaient pas attrapés et commencé à nous former, seul Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'est-ce qu'on aurait fait durant toutes ces années-là. C'est pour ça que le sujet, quand on dit structurer le temps, c'est très très important. Mais voilà, nous, ma chère Zahm, Allah, j'oublierai jamais, hein, le cher Mohamed Hafidhahullah, quand j'ai approché plus ou moins 18 ans, c'était 17 ans et quelques, parce que mes 18 ans, je les ai toujours pendant les vacances. L'année de naissance, ou bien la date de naissance. Et subhanallah, la première fois, c'était pour une kalima de 3 minutes ou 4 minutes. Je n'oublierai jamais, j'étais presque tombé dans les pommes. On l'a d'orte. Parce que j'étais assis tout devant, puis le temps que je me retourne, je vois le jama'a, le majil khalid, était plein d'orte. Et la preuve, c'est que j'ai parlé même pas 2 minutes et quelques, puis dès qu'il a vu que je devenais mauve ou l'arabe, ça c'était le mashaykh d'avant. Il m'a dit, j'ai Allahoura. Retourne derrière. Subhanallah, combien d'années? C'était dans les années 87. Et même comme ça, Jazaullah, il poussait. Il disait, voilà, Bouddha, si vous ne parlez pas de votre religion, qui va en parler? Et ça, tout le monde peut le faire. Pas parce qu'on s'appelle Haddash ou la Al-Jattari ou la Kastit, hein, c'est les noms qu'on entend souvent, ou la Flan ou la Alala, rien à voir. Tout le monde est capable tant qu'on fournit un effort. Tant qu'on fournit un effort, tout le monde est capable. On n'est pas des savants, ni des... On fait notre possible, des élèves, et on le restera jusqu'à la fin de notre vie. Mais va arriver un jour, si Allah subhanahu wa ta'ala prolonge notre vie, il n'y aura pas le choix. On devra prendre la relève. Nos machères, ils ne vont pas rester sur terre jusqu'à 200 ans. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Mais on sait de quoi on parle. La plupart de nos professeurs qui nous ont enseignés sont âgés maintenant. Ils sont tous dans la soixantaine, subhanallah. Ils sont tous dans la soixantaine. Et qui prend la relève? Allah. Hein, soixantaine. Ça veut dire qu'ils sont en droit, jazakumullah, de décider demain après-demain de retourner au pays, d'aller se reposer. Parce qu'ils sont nés là-bas. Mais elle est où cette relève?
Oui, c'est ça le. Et ça prend du travail, ça prend du temps. Et je le répète, tout le monde est capable. Chacun, que ce soit dans sa nationalité, sa culture, sa région, que ce soit nos frères et sœurs turcs, albanais, africains. On est tous d'Afrique, nous, mais vous comprenez les différentes régions, Afrique noire et autres. On a plein de communautés ici qui ont besoin de cette relève et de gens qui comprennent aussi leur contexte. C'est très bien que vivre à la maghrébine, ce n'est pas la même chose que vivre à la, entre guillemets, à la turque ou bien à l'africaine. La religion, c'est une. Mais des fois, même dans le domaine des avis que l'on donne, différentes, entre guillemets, réponses peuvent être données d'après différentes régions. Ça existe, tout ça. Mais il faut avoir une certaine maturité pour pouvoir le comprendre, travailler des années durement, passer des heures et des heures et des heures à écouter, à apprendre, à voyager. C'est un travail de longue haleine. Mais il faudra absolument qu'une certaine catégorie, donc comme on dit, de jeunes, y réfléchissent. Parce qu'on a subhanallah, beaucoup de jeunes, et là je rentre maintenant plus ou moins dans le sujet. On a beaucoup de jeunes qui s'inscrivent dans des cours à gauche, à droite, ceci, cela. Mais très souvent, qu'est-ce qu'ils disent? J'apprends pour moi. C'est une grosse erreur. Et on va le voir maintenant ici. Comme on appelait le sujet « structurer son temps ». C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a laissé, subhanallah, minimum. On a trois hadiths entre les mains. Et ce hadith, l'ard alikum, s'il vous plaît. Au lieu de mettre n'importe quelle photo sur vos murs, des fois, il y a moyen d'aller chez des imprimeries et d'imprimer, et vous trouvez ces hadiths sur Internet. Vous les trouvez, ils sont authentiques. Le premier que vous connaissez, et vous allez voir pourquoi je vous dis ces hadiths-là, et je vous ai parlé des murs. Il y a des traditions qui nous laissent des leçons jusqu'à la fin de notre vie. Et cette tradition-là, je n'oublierai jamais, cher le Fahim Rahimallah, un jour où la question lui a dit, est-ce qu'on peut mettre des versets de Coran sur les murs? Sur le mur. Comme on achète, nous, des tableaux, des fois, dans certains magasins. Et il leur avait dit, Rahimallah, à la base, il leur a dit, le Coran n'est pas fait pour être employé comme une décoration. Mais il a dit, mais si jamais les gens le mettent pour que dès qu'ils le voient, il y ait une réflexion, il y ait un rappel, un tadhkir et autres, il dit, ça vaut la peine. Si on prend cette idée-là, il y a des traditions qu'on devrait normalement les mettre minimum dans les chambres de nos enfants, des beaux petits cadres, spécialement la porte. Là, la porte, au moment où il va se lever, il va aller vers la porte de sa chambre, il verra donc ce hadith-là. Et on peut en mettre deux, trois. Moi, je vais vous citer juste trois que vous avez entendus des milliers de fois. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour les mettre en pratique? Qu'est-ce qu'on a entamé comme changement, comme réforme dans notre vie pour pouvoir les mettre en pratique? Et je dis toujours, les rappels, c'est une responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met sur le dos. Nous, on vous parle, mais c'est une responsabilité qu'on vous dépose sur les épaules. Parce que parler, c'est facile. Mettre en pratique, ça demande beaucoup d'efforts. Le premier, l'ard alikum, qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, apporté par le Hakim, il nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Ibn Abbas, il te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme qui a demandé justement au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui faire une recommandation. Donc regardez, subhanallah, l'habitude qu'avaient les musulmans au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a perdu cette habitude aujourd'hui, que ce soit avec nos imams, avec les gens de science et autres. C'est qu'ils venaient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par exemple, vous avez déjà entendu des hadiths qui commencent par ça. « Awsini ya Rasulallah, awsini, donne-moi un conseil ». Et normalement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il connaît sa communauté. Ou bien il reçoit une révélation. Et c'est aussi comme ça le rôle dans la mosquée, pourquoi on pousse nos jeunes à être présents. Pourquoi? Parce que de nouveau, à force de venir d'année en année, ton professeur, ton imam, il commence à te connaître. Quand tu viens discuter avec lui, lui poser des questions, il sait comment t'aider durant ta vie. Et ce n'est pas alors à ce moment-là, comme vous le savez, Internet qui va gérer ta vie, ou bien certains hurluberlus dans la rue à gauche, à droite, qui vont donc gérer votre vie. Loin de là, il faut des personnes bien structurées dans leur tête, qui vous connaissent et aussi dont la communauté fait confiance. Parce qu'on prépare des générations. Pourquoi on vous casse la tête chaque semaine des doros? Il y en a plein qui nous disaient fois, « Ah, c'est pas fatigant de faire comme ça des doros chaque semaine ?» Il faut savoir que tant qu'il y a un rappel, les gens sont conscientisés, ils réfléchissent. C'est important. C'est comme pour, entre guillemets, toujours rester aux aguets. Parce que sinon, l'âme, elle s'oublie. Et elle fait oublier alors au corps le pourquoi et la raison de sa présence sur cette terre. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. On a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Par des actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. C'est important. J'avais dit normalement qu'on ne ferait peut-être pas de questions parce que le temps est un peu serré. Mais on s'est arrangé avec Cheikh Hafidhullah qu'avant la prière de l'Isha, on fera quelques questions
très rapidement. Donc celui qui a, il ne faut pas vous pousser à écrire une question. Hein. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ou sinon, donc profitez-en. Voyez aussi côté sœur s'il y a. Mais s'il n'y a pas de questions, jazakumullah. Donc, je disais que conscientiser cette âme aussi se rappelle un peu son rôle. Il faut, faut être présent avec elle tout le temps. Eh bien, on vous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait directement à ces gens-là. Et il leur disait, et il leur rapportait ce qui allait être un bien pour eux. Très rapidement, le premier, dans ce hadith, il va lui donner 5 conseils. Il va lui dire, prends 5 choses avant 5 autres. Vous l'avez déjà entendu. C'est juste ou pas? Il va lui dire, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Ta santé avant ta, qui se rappelle, ta maladie. Et il va lui dire aussi, ta richesse avant ta pauvreté. Et ton temps libre avant que tu ne sois trop occupé. Et il va lui dire, ta vie avant ta mort. Regardez, subhanallah, les paroles du prophète, comment est-ce qu'elles étaient bien synthétisées, bien claires. Il va chaque fois donner un mot et, entre guillemets, son opposé. Pas spécialement des fois son contraire, mais son opposé. Et il va aussi, comme vous le remarquez avec ce qui a été employé dans ce hadith, il va citer aussi des choses où l'être humain il n'a pas le choix. Il va devoir passer par ces moments-là, par ces stades. Comme par exemple le fait de profiter de la jeunesse avant la vieillesse, parce qu'on sait pertinemment bien que ce qu'on est capable de faire quand on est jeune, il arrive que des fois quand on est vieux, âgé, on n'arrive pas à le faire. Quoique aujourd'hui, vous avez remarqué, ça nous donne des belles leçons. Des fois, on a des personnes âgées qui font ce que même des jeunes ne sont pas capables de faire. C'est une réalité. Et voilà pourquoi je disais de mettre ces hadiths-là sur des portes et autres pour dire des fois à nos jeunes, et je le vois moi dans l'enseignement. Combien de fois il arrive que je demande à des jeunes, « Ah, Samaï, c'est quoi votre programme cette semaine ?»« Il n'y a rien, monsieur. »« Ah, ça, c'est le mot qui me tue dans ma vie, c'est le mot rien. » Allahu Akbar. Là, vous savez que le chat, je vais l'attendre, j'ai dit le chat, l'oiseau, parce qu'il est cité dans les textes. L'oiseau, et il sort le matin pour aller faire quoi? Qui se rappelle du texte? Pour aller chercher de quoi? Manger, Adam l'oiseau. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis l'être humain, Bani Adam, à un niveau un peu plus élevé, comme vous le savez, que justement l'animal. Et des fois, l'animal nous donne des leçons. Et les animaux, ya shabab, désolé de le dire, ils nous donnent des leçons dans beaucoup de domaines, même dans la vie de couple, Allah, dans plein de domaines. Hein, certains animaux nous donnent des leçons de vie. C'est étonnant, mais c'est une réalité. Donc il lui dit, subhanallah, la jeunesse avant la vieillesse. Et on entend des personnes encore aujourd'hui, des jeunes. Vous savez, nous on donne cours jusqu'à le secondaire. Combien de fois on sort ce mot? Non, il n'y a rien, monsieur, tout est mort. Comment ça, tout est mort? Ou bien, tous des termes négatifs. C'est-à-dire, on a peut-être inculqué cela, Allahu alam. On a peut-être, je ne sais pas, une société ou autour, les gens ou les jeunes, je ne sais pas moi, captent comme message comme quoi il n'y a rien à faire, c'est mort. Mais si tu es comme ça pendant ta jeunesse, tu seras comment une fois arrivé à l'âge adulte? Une fois que tu auras des responsabilités? Ya Shabab, voilà pourquoi on vous embête et on vous dit structurez votre temps tant qu'il est encore temps, maintenant. Tant que vous êtes encore jeune, le temps passe très vite. Quand je souris avec Cher tout à l'heure pour dire 30 ans de da'wah, pour moi c'est comme si c'était hier. Et des fois quand je dis qu'on approche 50 ans, wallah, je me choque moi-même. Parce que j'ai toujours dans ma tête qu'on était le petit gamin là qui, hein, et maintenant on approche déjà 50, ça veut dire quoi? On est dans la descente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la longévité de sa communauté en disant entre 60 et 70 ans, comme disent nos amis français, 70 ans, rien, 70 ans, 60, donc il reste rien. Et combien on n'entend pas de savants qui disent que si tu approches la soixantaine, tu n'as toujours pas. Il y a des savants, je dis, là, vous savez à partir de quand ils disent qu'il est presque trop tard pour un être humain de changer de système de vie? Ils sont des fois un peu durs, mais ils n'ont pas tort, hein, plus ou moins. Ils disent à partir de 40 ans. Parce qu'on sait que le prophète a reçu la révélation à quel âge? À 40 ans. Ils disent que c'est l'âge où vraiment tu es un homme, une femme avec un grand H, avec un grand F. Et tu dis si à 40, vous savez dans les médiations que je fais, j'ai encore des époux de 40 ans qui se battent avec leur épouse, pour quand est-ce qu'ils vont fermer la télévision? Car le mec là, il joue encore à 1h du matin la PS en réseau. Là, ils ont la PlayStation en réseau. Type là, 40 ans, marié et des enfants. Et il se bat, quand est-ce qu'il va aller dormir? On en a ou on n'en a pas? Si, on en a. On en a plein. C'est aussi un de mes métiers, médiation. Aucune structure dans la vie. Combien, à chaque fois que je rencontre des couples et que je discute avec eux de leurs problèmes, je leur demande tout le temps, votre jeunesse, comment vous l'avez passée? Il y en a même des fois, ils se fâchent, ils me disent, pourquoi vous me parlez de la jeunesse? Je dis, non, parce que vous êtes peut-être le résultat de votre jeunesse, Yashadab. Si votre jeunesse, vous ne la travaillez pas comme il se doit, une fois arrivé à l'âge adulte,
Un corps, il devient comme rouillé, subhanallah. C'est étonnant à dire, mais c'est une réalité. Le corps, c'est comme s'il est rouillé. Il n'est pas et n'a jamais été habitué à certaines actions. Et toi, tu viens, tu le réveilles à la minute et tu veux directement qu'il apprenne la responsabilité, qu'il apprenne le dépôt, qu'il apprenne à se lever à telle et telle heure et à faire, et à faire, et à faire. Moi, des élèves, ils arrivent à l'école à 8h22, ils reçoivent un mot de retard et ils rentrent, ils râlent. Ça tombe bien, on a un proviseur avec nous. Hein. Et qu'est-ce qu'il te dit, subhanallah? Il commence à te dire, ouais, vous êtes chez une école de racistes. Et quand c'est un arabe qui est proviseur, c'est devenu un flamand. J'entends ça toute l'année. Hein? Ouais, il n'aime pas l'arabe. Hey, il n'aime pas ceci. Hey, c'est un ceci. Ouais, c'est un ceci. Pour 2 minutes. Je dis, mon frère, quand tu auras un contrat de travail plus tard, 1 minute. Et on peut te mettre dehors, spécialement avec les badges électroniques. C'est juste ou pas? 1 minute. Je lui dis, maintenant, tu es jeune. Ton corps, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il est apte à se lever même à 3 heures du matin, à 4 heures. N'importe quelle heure, il peut se lever. C'est étonnant, hein? N'importe quelle heure, il peut se lever. Et on te dit, on t'entraîne. Et l'école, par exemple, est un des endroits où, normalement, on entraîne. La personne a un tas de règles. Et ils me disent des fois, ils me disent, monsieur, pourquoi 8h20 et pas 30? Je dis, pourquoi ça ne serait pas 20 alors? Pourquoi le 20, il te dérange? Et tu vois comme ça, nos jeunes, ils sont toujours dérangés par plein de petits détails. Mais chaque fois, c'est rattaché à un mot-clé, la paresse. Pas envie. Des fois, il y a des raisons, il n'y a pas de souci. Mais je leur dis même quand il y a des, entre guillemets, certaines raisons, je dis, vous êtes dans un moule. C'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. À ce moment, tu dois accepter et sortir de cet état de râler. Non, tu dois te dire stop. Voilà. Si Allah prolonge ma vie, j'ai un tas de responsabilités. Très rapidement, la santé avant la maladie, vous savez très bien de quoi je parle. On vous dit profitez quand vous avez la santé. Parce qu'une fois que, subhanallah, vous allez vous retrouver avec une maladie, ou des fois même qu'Allah nous préserve tous une maladie grave, il y en a même, il pleure et il te dit, si je pouvais. Dernièrement, un de mes amis prédicateurs en France subit une opération, c'est très très rare, je le connais depuis des années, c'est rare, mais ce qui est, alhamdoulilah, où il tombe malade et autre, et c'est un de ses actifs de dingue. Puis il a mis un simple message, j'ai parlé avec lui après par message, puis il me dit, subhanallah, il me dit, je suis obligé de rester couché pendant un laps de temps. Il me dit, wallahi, le soujoud me manque. Je dis, subhanallah, soujoud. Puis il me met soujoud, rokoua. Il a parlé d'un sujet, la prière. Il me dit, wallahi, ça me manque. Alors qu'il prie, puisqu'il prie couché. Mais il me dit que le halawa, le goût de se prosterner. Est-ce que nous, on pense à ça? Bilal, comment est-ce qu'on va jusqu'à penser, est-ce qu'un jour, si on rate l'occasion de pouvoir coller notre front au sol, l'endroit le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que ça va nous toucher? Des fois, on n'y pense même pas. C'est même pas des fois dans nos priorités. C'est même pas dans notre programme interne de se dire, Ya Rabbi, protège ma santé pour qu'un jour je ne puisse pas être bloqué dans ton adoration et que je puisse tout le temps t'adorer jusqu'à la dernière seconde de ma vie. On avait des sahaba, radiallahu anhu, prenez Khalid ibn Walid, très rapidement, radiallahu anhu, vous savez, un des plus grands compagnon proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le domaine des batailles à gauche, à droite, tout ça, il a fait le muhim, il a couru partout et il est mort sur son lit de mort et il est mort, il râlait, j'aurais aimé au moins mourir et si je meurs là, dans mon lit couché, alors que les historiens quand ils parlent de cela, ils ont presque envie, s'ils pouvaient rentrer dans le livre et lui parler, de lui dire si on pouvait faire 1 millionième de ce que toi tu as fait, on serait les hommes les plus heureux et les femmes les plus heureuses sur terre. Et Mskin, il est touché par. Ça, c'est quand on a une volonté, quand on s'est donné un but dans sa vie. Pas tout simplement d'ouvrir les yeux et de cramer les heures l'une après les autres, ou bien juste manger, aller dormir après, attendre le soir. Aussi, quand il a parlé de la richesse avant la pauvreté, la même chose pour nous en tant que musulmans, lorsqu'on parle de richesse, ce n'est pas quelque chose d'égoïste. Ce n'est pas une notion pour se faire juste plaisir à soi-même, mais on a de nouveau un tas de notions. On peut se faire plaisir, alhamdoulilah, on peut étudier, on peut utiliser sa richesse pour un petit peu découvrir et ainsi de suite, mais il y aura toujours une petite branche qui te parle de la communauté, les pauvres, ceux qui sont autour de toi, hein, les mosquées, les ceci, virgule, 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 les orphelines, la maison de Coran, ouzid, même quand tu as les moyens, même une sadaqa. Et au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont venus se plaindre des compagnons de chacune pauvre. Ils sont venus se plaindre, dit Rasulallah. Des gens qui ont beaucoup de moyens. Mais c'est eux qui prennent tout. Je prends juste cette idée-là. Ils l'ont dit, ils raflent tout parce qu'ils ont l'argent. Et ils viennent, et machallah, hop, ils déposent. Mais nous, on n'a rien. Ils les ont envoyés vers l'invocation, l'évocation d'Allah. C'est juste ou pas, Shabab? Donc ça prouve que chez nous, c'est très très important cette notion-là. Aujourd'hui,
on a des personnes qui ne sont pas structurées dans ce domaine. Ils ont des avoirs, mais il faut courir. Et on en a d'autres, mashallah, très intelligents, qui ont compris. Pourquoi ? Parce que, Shabab, chez nous en religion, la richesse, quand tu l'emploies dans la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'elle est perdue ? Wallah, elle est remboursée. Ça, c'est une parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée. Il te rembourse ce que tu as donné. Comme il le dit, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais les avoirs d'une personne, hein, d'un serviteur d'Allah, vont diminuer parce qu'il a donné une aumône. Au contraire, ils reviennent. Et combien d'exemples on n'a pas eu autour de nous ? Combien d'exemples ? Aussi, Allah d'alikoum, le temps libre avant que tu sois occupé, nous on le voit. On le voit. On n'a pas de temps libre. Et alhamdoulilah, on est fiers de cela. On n'a pas de temps libre. Des fois, nous, je parle dans le domaine de la prédication, demander à ceux qui travaillent, demander à ceux qui travaillent en journée, puis ils donnent cours des fois le soir, et, ou ils suivent des cours ou autre, quel temps il leur reste. Mais ici, on va plus loin. Dans ce texte, on te parle même d'une chose qui te pend au nez. C'est laquelle ? Aujourd'hui, la plupart des jeunes, ados et tout, il n'y a pas de mariage, pas de gosses, il n'y a rien. Des fois, je discute même, je crois que c'était, je crois hier ou avant-hier, avec un élève, un gentil, il m'a dit, je vois, il râle un peu, je dis, qu'est-ce qui se passe ? Puis il me dit, oh Allah, monsieur, la vérité, monsieur, Allah, j'en ai marre. Puis je lui dis, ouais, je te comprends. Puis il me dit, non, tu ne connais pas ma vie. Je dis, ouais, sûrement que ta femme est partie, tes gosses, ça va pas, t'en as combien en prison ? Puis il m'a dit, je dis, en plus, le loyer, t'as reçu un recommandé, tu dois quitter la maison, et elle. Je dis, non, monsieur. Il dit, tu te trompes, hein ? Je dis, si, c'est pas toi. Je dis, mais non, monsieur, je suis pas marié, j'ai pas de gosses, j'ai pas de facture, j'ai rien. Je dis, pourquoi tu te plains ? De quoi tu te plains, Allah, avec ? Et puis, alors, des fois, j'ai, vous savez, avec les smartphones, des fois, je leur montre, vous savez, le compte en banque, maintenant, c'est dans les smartphones. Hein. Des fois, je prends des élèves, il n'y a pas d'onde, j'ai pas un million sur le compte, t'inquiète. Ils paniquent même quand ils voient le compte. Des fois, je prends, je leur dis, venez, deux secondes, viens. Et je vais vraiment au début du mois. Et je vais là où il y a le salaire. Il n'y a pas de souci. Alors, ils voient le salaire, ils sont tout contents. Ils voient des 1900. Ils disent, allez, monsieur. Je dis, attends. Avance maintenant. Ah, il y en a qui sont passés par l'AIEC. Je dis, ce salaire, il vit 24 heures. 24 heures. Je dis, qu'est-ce qu'il y a écrit après ? Il me fait un loyer, Zed, gaz, électricité, Zed, hôpital, pharmacie, hadi, course, Lidl. Puis à ce moment, il voit le sol. Il fait, monsieur, le prochain, c'est quand ? Je dis, peut-être les allocs. Et encore, ils sont censés être pour les gosses. Ils ont besoin de fringues, cada, ceci, cela. Après, je lui dis, alors ça te dit ? Puis, non, monsieur, je suis bien. Là, direct, il s'arrête. Hey. Je dis, Allah yarda alaykoum, profitez. À même travailler de côté, et ça c'est aussi le rôle un peu des parents, les parents doivent aussi travailler un peu le côté psychique de leur enfant, hein, les déstresser, kadapour, et leur expliquer un petit peu cette vraie vie qui arrive plus tard, pour que, subhanallah, ils arrivent à se structurer petit à petit, et pas comme on a aujourd'hui, des fois, on a des personnes aujourd'hui qui lâchent dans tous les domaines, hein, tombent même dans des situations graves et autres. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été habitués à structurer certaines choses, et rien que l'argent aujourd'hui. Moi, je parle avec des amis psychologues des fois, il me dit, un des problèmes, je le vois même dans les couples, hein, un des problèmes, l'argent. Top 1 dans les couples, l'argent, le flous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus. Et s'il nous a prévenus, c'était justement pour apprendre à gérer. Inama amwalukum wa auladukum fitna. Pas facile, il y a des choses qui nous entourent, comme nos avoirs, nos enfants, famille et autres. Ah, c'est des épreuves, ça. Quand on dit le mot épreuve, c'est pas pour dire que c'est des gens foutus qui vont, hein, casser ta vie. Non, c'est pour dire qu'il y a un travail derrière. Tu vas devoir réfléchir, tu vas devoir, des fois, peut-être dormir un peu moins, essayer de calculer, de faire. Mais si tu ne te structures pas à un âge où tu as, mashallah, toutes les possibilités, comme on le voit là, subhanallah, t'as un peu de temps libre. Va un peu bouquiner. On est normalement la lecture... Allahu Akbar, on est la communauté de Iqra. Combien de fois on ne le dit pas ? C'est juste ? Et j'ai toujours aimé nos machers, jazakumullah, ils disent à chaque fois que qui passe avant, la lecture ou la prière, les chabab ? S'il vous plaît, qui passe avant, la lecture ou bien la prière ? Dites-moi. As-salah ou bien le qira'a ? Logiquement, qui passe avant ? Non, dans ta vie maintenant, qui passe avant ? Vous savez très bien que c'est la prière, arrêtez de paniquer. Ah ouais, viens pas me dire non, moi j'ai lu toute la journée, j'ai pas pu prier, donc je la reporte à demain. Non. C'est juste. Et pourquoi je vous pose cette question ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la première fois la visite de Jibril, alayhi salam, et quelle est la première demande qu'il va lui faire ? C'est laquelle ? Iqra. Il ne lui a même pas dit prie. Il n'a pas dit abed. Là, iqra, trois fois d'affilée.
Mais en rattachant cela à Allah subhanahu wa ta'ala, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Pas n'importe comment. Donc imaginez, subhanallah, ya shabab. Il y a tout un travail, il y a plein de dorous dans ce domaine où vous pourrez aller, subhanallah, bouquiner, voir. Et aussi, Allah rida alaykoum, la vie avant la mort. Ça, c'est le résultat de tout ce qu'on vient de dire. Vous êtes dans un système qui est rattaché à un potentiel temps. Soit vous structurez, soit la mort vous prend. Mais ce qui est beau, c'est que la mort ne prévient pas. Alhamdoulilah. Allah shabab, en vérité, pourquoi j'ai dit c'est beau? Parce qu'imaginez l'être humain si Allah subhanahu wa ta'ala lui avait collé comme système que tu sais que demain, à telle et telle heure, tu meurs. On serait comment? Hasbunallah. Eh na'am, shabab, on serait mal. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a laissé cela ouvert. Et Allah, cours. Fais le bien. Je dis des fois aux élèves, même si je le répète très souvent dans les doros, mais c'est important, je dis souvent, imaginez quand on entre, on fait un concours, puis vous arrivez à un magasin. C'est une image ou celle-là. Et vous êtes dans un magasin, on vous dit, monsieur, ah, bonjour, venez, on a choisi, vous avez top chrono 4 minutes. Voilà un chariot, rentrez dans le magasin, allez où vous voulez. Vous vous rappelez, j'avais une fois expliqué ça. Sincèrement, tu vas vers où? Très compliqué. Il y en a, ils sourient. Tu vas où? Sérieux, tu vas où avec le chariot? Tu vas vers le côté des télés, ordinateurs, ou bien tu vas du côté riz, tomates, concombres? Il n'y a pas qu'une seule réponse en vérité. C'est juste? Pourquoi il n'y aurait pas qu'une seule réponse? Si tu es malin, un fin technicien, il y a moyen d'aller côté télé et en prendre 10, très rapidement, et après revendre, et machallah, à l'aise. Et là, tu peux revenir acheter 200 000 patates. Ça? Mais si tu es quelqu'un, tu as un brouhoul, qu'est-ce que tu vas faire? Wallah, tu vas perdre minimum une minute. Je prends la télé ou bien après, si je crève de faim, la tomate, le gars, et tu vas trouver certains qui zigzagent dans le magasin. Chacun, qu'est-ce qu'il va faire? Chacun, ce qu'il va faire, subhanallah. Mais c'est là qu'on va voir celui qui est structuré, celui qui ne l'est pas. On va voir aussi celui qui a des fois des awlawiyat. Il a des priorités. Il va se dire, non, moi, pour l'instant, je ne suis pas capable, je ne suis pas un grand vendeur, je ne suis pas spécialisé là-dedans. Je vais peut-être même casser le cadavre, je vais. Il va remplir peut-être que de la nourriture, je ne sais quoi. Chacun va. Mais là où ça ferait mal, c'est quelqu'un qui arrive au début et qui reste pendant 3 minutes à réfléchir. Parce qu'il n'est même pas au courant qu'il y a peut-être moyen de gagner avec ça. Ou bien peut-être qu'il va penser que si jamais il va prendre côté nourriture, ça ne sert à rien. Et il perd 3 minutes, dès qu'il démarre, hop, ça siffle. Il a gagné quoi? C'est ça la vie. La vie, Yachabab, vous ne savez jamais quand ça va se terminer. Mais on vous met de... Vous savez, quand j'ai parlé télé, chair, cadre, on vous met des hasanats devant vous. Et les hasanats, chaque action, elle a, subhanallah, son potentiel immense auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et aucune action n'est à négliger. Tu ne peux pas t'arrêter, commencer à réfléchir. Est-ce que je vais là ou je vais là? Dès que tu as l'occasion, on va le voir après. Tu as l'occasion de faire quelque chose, fais-le. Parce que la vie, elle est courte. La vie, elle est courte. On voit nos parents et ceux qui sont décédés, rahimahumullah, et on voit maintenant nos parents quand ils sont malades, et combien de fois, wallahi, ils râlent. Je vois mon père, hafidallah, Allah échafé, il n'arrive pas à les prier. Une prière, il râle. Ça me touche, Allah. Dans ma tête, je me dis, nous, il y a des jeunes, on doit les supplier pour aller à la mosquée. Lui, il râle. Alors qu'il est mal, il est éclaté. C'est pas aller faire une prière. Et il te répète 10 fois, il te dit, Allah, et regarde la montre. J'ai regretté, j'ai acheté une montre avec l'Aden, là. J'aurais pas dû. Chaque fois qu'elle sonne, il me dit, maintenant, je devrais être là, à la mosquée. Ah, maintenant, cadre. Maintenant, ils ont terminé de prier, parce qu'ils commencent toujours l'Aden à telle heure, puis ils font l'Iqama, puis maintenant, ils ont terminé. Ah, d'habitude, on s'assied avec Kada Kada. Ah, d'habitude, Cheikh, il fait une petite Kalima. Ah, d'habitude, c'est l'Ayashi, il fait un peu le Coran, regarde. Alors que le gars, il va tous les jours, 5 prières, tous les jours. 31, il te fait le programme. Je suis assis à lui, je réfléchis, je dis des choses, subhanallah. Nous, on doit supplier aujourd'hui nos jeunes. Ça rentre dans la structure de ton temps, car vous serez la relève dans les mosquées. Si vous ne remplissez pas, ne vous inquiétez pas, elles fermeront l'une derrière l'autre, au fur et à mesure. Ça, c'est une réalité en Belgique. Il ne faut pas tourner autour du pot, il ne faut pas se mentir. Pas qu'en Belgique, en vérité, même en France. Hein. France, encore plus compliqué. 10 millions de musulmans, minimum. Ici, on n'en est même pas à 800 000, 900 000, d'après quelques statistiques, s'il fallait rentrer les reconvertis ou autres. Là-bas, quand je parlais avec mes amis français dans certaines mosquées, ils me disent, chez nous, c'est catastrophique. Ils me disent, c'est 10 millions... Vous savez, ils sont entre 2000 et 3000 mosquées et associations. Et qui va prendre la relève? Vous imaginez quel chiffre? Et ils se plaignent tous que les jeunes, à gauche, à droite, c'est rare ceux qui remplissent la mosquée aux zénosites. Donc ça, c'est un point important. Et l'autre hadith, vous le connaissez tous. Abu Barz al-Aslami, radiallahu anhu, qui rapportait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, rappelez-vous que le serviteur, le jour dernier, ne quittera pas
donc la terre du rassemblement, jusqu'à ce qu'il réponde à quatre questions. On l'entend souvent. Sur sa vie, comment est-ce qu'il a passé? Et maintenant, vous prenez les explications du premier hadith. Donc, je rappelle aussi à nos jeunes, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du biais du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répète un sujet plusieurs fois, est-ce qu'il est important ou pas? Il est important. Et même très important. Déjà, quand il le dit qu'une fois, pour nous, c'est important. S'il le répète, c'est que c'est encore plus grave. Donc, il dit, ta vie, c'est-à-dire avant, comme vous le savez, dans quoi tu l'as passé, hein, il te demande aussi ta science. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as fait de ta science? C'est une grosse polémique. Si on parle des sciences religieuses, où sont nos jeunes par rapport à l'apprentissage, tout ce qui est le côté théologique? Où sont-ils? Je parlais avec mon beau-fils il y a quelques jours, rien qu'une halqa du Coran. Tout ça, c'est des jeunes hommes. Hein. Il me dit, on commence à 10. Après, le cheikh, il arrête. Pourquoi? Parce qu'il ne reste même pas un élève qui appelle. Ouais, désolé, je ne sais pas venir. Le cheikh, il reste tout seul assis. C'était un groupe de Coran spécial, c'était pour les jeunes. Il n'y a pas. Même déjà, il m'a choqué quand il m'a... Je lui dis, vous êtes combien? 8. Combien de professeurs qui donnent des cours le soir de religion? Ils commencent à... Les inscriptions, il y en a plein qui viennent 30, 40, cada. Et puis, tu arrives en janvier, il n'y en a plus que 20. Et tu arrives, comme d'habitude, au mois de mai, il y a juste 2 avec le professeur. Et encore, et les 2, des fois, il lui demande ce que je peux partir. Et il donne cours à genoux, après, je ne sais pas qui donne cours. Allah, il reste tout seul dans la pièce. Ça, c'est vrai ou pas? Où sont-ils? Aujourd'hui, quand une institut, elle a 30, 50 élèves, elle est toute fière à Bruxelles. Ah, on a 50. 50 sur combien de jeunes? Hein? Rien qu'à Bruxelles, combien de jeunes? Catastrophique, Echebab. Normalement, nos jeunes, septembre, ils doivent... Ça, c'est aussi les parents, Allahu alam, comment c'est qu'ils ont lâché. Je ne sais pas, c'est, il faut aller faire des enquêtes, Allahu alam. Il faut faire une enquête pour savoir comment nos parents n'arrivent plus à avoir la poigne et qu'après les cours, voilà, on l'inscrit. Moi, je ne suis pas contre le sport, je l'ai fait dans ma jeunesse. Mais moi, ça me tue de voir des parents qui courent comme des dingues pour le football, à gauche, à droite, dans les salles. Ils font même les déplacements quand leur fils, il a un championnat. Kaina ou Lala, vous m'arrêtez si c'est faux. Kaina ou Lala, mais ils l'inscrivent à un cours. Il y en a plein qui viennent même à l'école arabe dire « Désolé, cette année, mon fils, il ne vient pas parce qu'il a football. » Allahu Akbar. J'espère, Inch'Allah, le football, il va le sauver. Football, c'est bien, c'est du sport, il n'y a pas de souci. Chaque sport qui est fait dans les règles qu'Allah aime, Wallah, il n'y a pas de souci. Je l'ai fait aussi, le foot, il n'y a pas de souci. Et on a même besoin, parce que c'est dans la sunna, faire du sport, on en a besoin. Prezas m'a demandé cela. Mais il a aussi demandé à côté de structurer ce qui va aider ton âme, ton corps, tes membres, aujourd'hui mon dernier aussi. Et nous, on n'arrive pas à trouver un juste milieu. Comment on va faire, Echebel? Parce qu'il y a un minimum que nous, on est censé connaître, et puis on a des choses où on a besoin de fatwa, de questions, d'avis de nos choyokh et autres. Naam. Mais nous, même le minimum, on ne l'a plus des fois. Même le minimum. Donc comment on fait? Aussi, l'argent, comment tu l'as eu et comment tu l'as dépensé? On est censé apprendre à nos enfants la valeur de l'argent. Qu'est-ce que tu en as fait? Il faut poser des questions. Même si tu donnes de l'argent de poche, c'est comme ça qu'on éduque nos enfants. Même si tu donnes de l'argent de poche, tu lui demandes après, agis. Ça va, les 2 euros là. Là, aujourd'hui, on croit, on a d'autres théories. Non, je vais lui donner comme ça, il ne vole pas comme ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas je lui donne pour qu'il ne vole pas. Non, explique-lui l'importance du vol dans notre religion. Ce mot est tellement important, il est grave. C'est immense. Mais pas penser que je lui donne comme ça. Là, tu lui donnes, mais il ne comprend pas l'importance du mot. Même en donnant 2, si un jour il a moyen qu'il ait 4, il se peut qu'il va voler. Ce n'est pas une théorie qui est aussi facile comme ça de penser de cette manière directe là. Mais non, Professeur Slemi, il te dit donc le jour demandé, tu ne vas pas quitter la terre du rassemblement. Ça veut dire que ton argent, cent par cent, on va te poser des questions dessus. Donc ça sous-entend aussi qu'on est censé apprendre à nos jeunes comment ils dépensent. Vous y. On a aussi le corps. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, c'est... Comment tu fais? Yallah, qu'est-ce que tu as à répondre? Et c'est pour cela que, subhanallah, dans le hadith, on te dit que la vie, elle a été partagée en deux. La jeunesse. Tu vois? Vous avez remarqué, Shabab. La jeunesse, la vieillesse. Regardez comment Allah est juste. On ne peut pas juger quelqu'un qui a 80 ans de la même manière que quelqu'un qui a 18 ans ou l'a 20 ans, Shabab. On ne peut pas. Regardez la justice d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on te dit, structure le temps que tu as entre les mains. Aussi, l'ard alikoum,
De nouveau, et ça c'est dans le Bukhari, le hadith juste avant rapporté par l'imam Tirmidhi rahimahullah, et authentifié. Et le troisième, lui, il est rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah, qui nous dit de nouveau, que deux personnes, que on a deux choses que subhanallah, les gens et beaucoup de gens n'utilisent pas à bon escient, c'est-à-dire ils n'utilisent pas cela comme il faut. Eh bien, on parle toujours de quoi? As-sihat wal farah. La santé et le temps libre. Regardez combien de fois, ya shabab, la santé revient. Combien de fois le temps revient? Combien de fois? Très souvent. Et quatrième point, je crois que là vous êtes tous dedans parce que vous, il n'y a pas un d'entre vous qui ne connaît pas hein, la sourate l'Asr. Et là, terminé par un verset, c'est pour nous mettre en garde de quelle manière? C'est pour nous dire l'ard alikum que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par une de ses créations ou créatures, lorsqu'il te dit « Wal asr », combien de fois est-ce qu'on ne répète pas cette sourate, spécialement quand on est petit ou quand on est adulte et un peu paresseux. C'est-à-dire qu'on ne veut pas aller étudier d'autres sourates. Entre beaucoup de personnes, ils sont là toujours « Qul Allahu Ahad wal asr » et ne pensez pas que ce sont des gens qui, mashallah, c'était comme les compagnons ou le compagnon qu'on a été, entre guillemets, balancé au présent pour lui dire « Voilà, là, il exagère, là, il prie tout le temps avec « Qul Allahu Ahad » ou « Kada » ou hein, « Vous connaissez ce texte ?» Non, non. Aujourd'hui, on sait très très bien qu'on a des personnes, ils peuvent apprendre une sourate ou quelques sourates quand ils ont 8, 9 ou 12 ans et ils vont rester toute leur vie avec les 4 sourates. Il ne faut jamais en rajouter une. Et ils ont un cerveau, mashallah, qui fonctionne bien, il y a un tas de... mais ils ne vont jamais rajouter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps. Et c'est pour ça que je vous dis que si Allah subhanahu wa ta'ala utilise une de ses créations, c'est justement pour nous montrer l'importance de cette chose et d'aller voir derrière qu'est-ce qu'il y a. Comme par exemple, il dit « Wad-Doha ». Ça serait étonnant de dire aux Arabes « l'aube ». Et on est en plein désert. Eh bien, même aujourd'hui, on peut avoir des réflexions sur pourquoi citer l'aube. Qu'est-ce que l'aube a de très miraculeux, d'important dans la vie d'un musulman? Wal-Fajr, combien de sourates? Zidou, Zidou, Zidou. Toujours, vous avez des Wa Wal-Qasam au début. Wa, et puis. Ça prouve que ce qui vient après est très très important. Et là, spécialement, subhanallah, le temps, ça nous touche. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il va... Il y a, subhanallah, une manière de dire la chose qui va nous laisser suspendus. Étonnamment, qu'est-ce qu'il nous dit? Wal asr, inna... Vous vous rappelez la dernière fois que vous avez vu, dès qu'on dit inna, ça veut dire certitude, l'ardalik, sûr et certain. Ça veut dire que ce qui va être dit après est indiscutable. Il dit, wal asr, inna l'insana lafi khusr. Wal khusran, l'ardalik, vous savez, la perdition. Et l'insan, l'être humain. Donc il te dit l'insan, donc Allah subhanahu wa ta'ala jure, il te dit que l'être humain est en perdition. Mais alhamdoulilah qu'on ne s'arrête pas là. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala est tellement juste qu'il nous a laissé, Allah d'alikoum, quelques notions à mettre en pratique. Et là vous allez voir, votre temps va se structurer jour après jour. Et là vous allez comprendre quand certains nous disent des fois dans, après les doros, et ils demandent ça à nous, mes chers hommes là, hein, quel programme vous conseillez? Des fois, j'embête un peu nos élèves, hein, je leur dis, et nos jeunes, dans les conférences, je dis, l'ard alikoum, wallah, et si on lisait le Coran, il y a un programme dedans. Rien que dans Salat al-Asr, il y a Shabab, vous voyez cette sourate, il y a un programme dedans. Il dit, wallah, asin al-insan al-afirus. Illa, il y a un istitna, il a sorti un groupe. Comme pour dire que, si jamais tu mets en pratique ce qui va venir, tu sors de ceux qui seront en perdition. Il a l'adina amanu, vous la connaissez, Zid. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 points. Et regardez, Allah yarda alaykoum, la beauté de notre religion, il ne nous a pas demandé 200 points. Et je vous dire la vérité, que Allah subhanahu wa ta'ala nous aurait donné ou demandé 200 points, quand tu vois la vie de certains pendant 70 ans sur terre, 60 ans, 80 ans, Allah, tu te dirais même 200 points, est-ce que c'est beaucoup? Sur 80 ans, la abadal, c'est pas beaucoup. Shabab, c'est pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il te demande? 4 points. Et dans ces 4 points, subhanallah, sont 4 caractéristiques qu'on doit retrouver chez le croyant. Ce sont des caractéristiques qu'on doit retrouver chez le croyant. Et qu'est-ce qu'il fait, le croyant? Quand il prend une des caractéristiques, il va voir qu'il y a des branches. Par exemple, la première, lorsqu'on dit que, il a la dina amanu, on vous dit que vous allez vous retrouver avec la foi. Ben, la foi, mashallah, regardez, première structure. Et je ne vais pas rester longtemps là-dessus, j'en ai déjà parlé. Première manière de structurer son temps, que tu te donnes et tu t'accordes
certaines périodes durant ta semaine pour aller, un, chercher après les actions qui augmentent la foi, deux, de faire attention après les actions qui peuvent diminuer la foi. Quand vous allez la réécouter, notez à votre aise, hein, les actions qui vont faire que tu vas diminuer ta foi. Et trois, tu vas aller chercher, quand on dit à des bonnes actions, c'est-à-dire tout ce qui va être aussi aimé. Donc il y a ce qui va faire diminuer ou augmenter, mais le plus important, c'est que tu vas aller chercher tout ce qui va faire en sorte que tu vas être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la foi, l'alladina amanu. Et juste après, amilu salihat, ça sous-entend toujours l'ard alikum, le point 1 et 2, ils vont toujours de pair. Toujours. La foi avant l'action. Toujours la foi avant l'action. Pourquoi ? Pour que l'action que tu vas faire ne soit pas une action qui est vaine, qui est vide, de tout sens. Pas adorer Allah pendant une heure et qu'après tu apprennes que la manière comment tu as adoré Allah, elle est nulle. Elle n'a jamais été demandée ni par Allah subhanahu wa ta'ala, ni par son prophète, ni même pas par les savants, ni quoi que ce soit. Donc c'est pour cela que même les actes d'adoration, et on te dit s'il te plaît, va voir. Va voir. Voir quoi ? Eh bien, pour résumer, donc le premier on a dit la foi. Rappelez-vous, tout ce qui englobe les actes qui vont te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On te dit, par rapport aux bonnes œuvres, eh bien, va voir les bonnes œuvres, Shabab. Les savants nous disent que ça soit, écoutez bien, les paroles ou les actes. Vous avez entendu ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Les paroles et les actes, les deux. Ça veut dire qu'on a des paroles, subhanallah, qui sont dites, comme par exemple lorsqu'on fait dhikrullah, très très important, eh bien, ces paroles-là, allez voir dans les hadiths, vous allez voir que des fois, hein, vous rappelez le hadith très connu, vous entendez très souvent deux paroles qui sont très lourdes dans la balance et très faciles, très légères pour la langue. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Regardez, c'est faisable. On a tous des smartphones, on peut mettre ça dans les notes. On a le droit d'avoir un petit papier en poche, on a tous les moyens. Est-ce qu'on le fait ? Je demande des fois aux élèves, je dis, sur une journée, combien de fois avez-vous dit subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-adim ? Il y a une quantité de dingues, ils ne sont même pas au courant de cette invocation, ou de cette évocation. Ils ne sont pas au courant de ce dhikr. Ah, c'est quoi ça, monsieur ? Tout le temps j'entends ça. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Je ne leur en veux pas aussi qu'à eux spécialement, aussi de nouveau. Il faut remonter un peu en arrière, les parents. Quels sont les rappels qu'on fait ? Vous savez, des enfants, quand tu leur rappelles certaines choses depuis qu'ils sont tout petits, ils grandissent avec. Et la preuve, dès que tu leur fais, même un prof, quelqu'un de l'extérieur, à peine il leur fait le rappel, il se rappelle directement. Ah oui, je sais ce que c'est, mon père, ma mère, ils me répétaient ça. Et ils m'ont dit que c'était important le jour du jugement dernier, kada, kada, kada. Est-ce qu'on le fait ? Pour pouvoir le faire, il faut que quand tu es jeune, tu aies structuré ton cerveau, ta langue, hein, et ouvert un chapitre spécial d'écrit. Chapitre spécial, action. On te dit aussi, toutes les œuvres que tu vas faire, le minimum, si tu veux qu'elles soient acceptées, ya Shabab, et ça rentre dans la structure de notre temps. Parce que qui dit structurer le temps, dit qu'on ne peut pas perdre son temps. Eh bien, on te dit, le minimum, ça doit être fait de manière sincère. C'est-à-dire, vous et Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, j'embête souvent les jeunes, je leur dis, l'ard alikoum, apprenez à ne jamais prier pour vos parents. Apprenez à ne jamais porter un hijab, par exemple, c'est un exemple, pour faire plaisir à ta mère. Apprenez à ne jamais, entre guillemets, aller étudier, parce que mon père, ça l'énerve. Là, tu le fais pour qui ? C'est pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les parents sont censés, au fur et à mesure que l'enfant est grandi, ils lui expliquent les choses qui vont se rajouter dans sa vie. Le pourquoi du comment. Nous, Allah ismahna, beaucoup de familles fabriquent, entre guillemets, le terme, il faut bien comprendre, c'est le terme qu'on dit aujourd'hui habituellement, pas de parler de ceux qui vont déjà à là, mais on fabrique comme des doubles faces, des hypocrites, comme on dit de manière péjorative, des deux visages. Ça veut dire, nous on le voit, moi quand j'ai commencé à travailler dans les années 90, début 90, je travaillais à la STIB. Combien de fois j'ai pas vu des filles qui viennent avec un voile, ils me demandent les clés de la toilette, elles rentrent, elles sortent, elles me redemandent la carte d'identité. Avant c'était comme ça, hein, on donnait les papiers, et puis on te donnait la clé. Et des fois je dis, non madame, vous n'êtes pas venue chez moi. Toute gênée me dit, si, c'est, je me suis changé dans la toile, c'est ma carte là. Combien j'en ai pas vu ? Et encore maintenant, combien ne le font pas ? Des fois, je descends des rues, puis tu vois, ils s'arrêtent dans un coin, ils enlèvent, frotte, ils vont devant un miroir, ils se rajoutent du maquillage, tant, puis ils descendent. Ça fait mal au cœur. Voilà, toi, tu marches, t'es là, tu dis, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'on a fabriqué ? Pourquoi ? Pourquoi quelqu'un devrait vivre comme ça ? Et dans la peur ?
Il y en a qui je demande, non, mais mon père, il passe jamais par ici, parce qu'on habite, je ne sais pas quelle commune. Combien de fois j'ai pas eu comme réponse hein? Qu'est-ce qu'on fabrique? Donc, on est des fois à l'opposé de ces versets qui peuvent paraître très courts. Hein? On est à l'opposé. Qu'est-ce qu'on fabrique? Je rappelle tout le temps à nos jeunes, même les doubles visages qu'on a dans le domaine de l'enseignement, allez demander à gauche, à droite, dans les écoles et autres, quel comportement il y a? Quelle image est donnée du musulman? Combien de chances? Alors que l'on est censé chercher après les bonnes actions, les bonnes paroles et autres. Mais des fois, c'est le contraire. Et bien, de nouveau, ça rentre dans ta structure de vie, obligatoirement. Il n'y a pas le choix. Et les parents sont là pour aider. C'est une obligation. On va faire des rappels tous les jours. Tous les jours, des rappels. Jamais lâcher, comme on dit. Ou te dire, comme nous, lâche pas, parce que vous croyez que c'est les enfants de le frais, là. Donc, tout va bien. Là, même nous, on leur casse la tête peut-être 10 fois plus que d'autres parents. Tous les jours derrière. Rodelbel, s'il te plaît, n'oublie pas telle chose. Sla, kada, ankum, quand vous êtes dehors, c'est pas moi que je dois surveiller, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous voit. Et ceci, et cela. Voilà, c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Et l'arda alikum aussi, dernier point, toujours conforme à la sunna. Ce que vous faites, qu'il y ait une conformité par rapport à la parole hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, wa tawassaw bil haqqi, l'injonction mutuelle à la vérité. Normalement, on est là à céder. Mais dans quel domaine? L'accomplissement des bonnes œuvres. On est aussi là pour normalement s'inciter et aussi s'encourager mutuellement. Mais ça, on a perdu ce point. Aujourd'hui, par exemple, il arrive que certaines personnes, dès qu'ils commencent à pratiquer, un des réflexes qu'ils ont, c'est de casser les autres. On a un groupe comme ça. Il oublie son passé, il oublie comment il était, il oublie qu'il y a des gens qui ont patienté à côté de lui. Là, à peine il pratique, tout le reste... Et on entend, vous le savez, des fois, d'autres qui vont même insulter leurs parents, les traiter d'innovateurs, de mubtadi'a. Il y en a d'autres qui vont, je vous ai déjà dit, parmi les questions qu'on m'écrit, mais alhamdoulilah, maintenant, les jeunes commencent à corriger petit à petit. Combien de fois je ne reçois pas des questions, salam alaykoum, mon père, virgule, le mécréant, virgule, parce qu'il ne prie pas, virgule, est-ce qu'il peut me marier? Voilà. Et tu ne vas pas trouver une seule fois mon père, hafidahullah, qu'Allah le guide, hadahullah, ou quelque chose de... Et la personne, elle est sincère, mashallah, elle apprend. Elle va te faire comprendre qu'il y en a même qui m'ont dit, oui, mais c'est parce qu'on venait d'une famille qui ne pratique pas, moi j'ai appris, mashallah, mais t'as appris, alors à quoi ça te sert? Au contraire, si tu veux que ça te sert, c'est ça, watawassaw bil haqqi, reviens vers eux, enseigne-leur quelque chose, enseigne, wallah, enseigne. Et aussi, watawassaw bil sabr. Alors de nouveau, ceux qui disent que soi-disant, il n'y a pas le temps, c'est, ou bien même pas, c'est-à-dire j'ai rien à faire. Abadan, on est censé se parler. Même, regardez, maintenant, on a tous les outils. Utilisez à WhatsApp et compagnie, ou je ne sais quoi, là, pour des rappels. Samaïkoum, cousin, kada, ceci, cela. Faire même quelque chose avec un groupe en famille, où chacun, de temps en temps, il fait un petit rappel. Ou n'oubliez pas la prière, un petit verset, un petit hadith. Il a remarqué quelque chose hein, qui tourne. Eh bien, on fait ça avec une phrase un peu détournée. Shabab, je vise personne, mais voilà, faites attention à tel et tel kada. Est-ce qu'on a ça dans nos familles? Ou bien on a des fois, moi, il me dit WhatsApp rien pour envoyer des blagues et des. On envoie de ces trucs à dormir debout. Hein? D'autres, ils t'envoient des trucs de crash de voiture, de corps qui sautent. L'autre, ils t'envoient que des blagues. Hein? Un sur les soissa, un sur les je sais pas quoi, un sur les chinois. Un... Mashallah, le programme, il avance. N'oublie qu'il y a un Qiyamah, tu devras rendre des comptes pour tout ce que tu as transféré. Parce que vous connaissez WhatsApp, transfert à un, après c'est 1 million. Ma Facebook, c'est encore un autre sujet. C'est juste. Tout ça, et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant aussi. Et on te dit, l'arda alikoum, s'encourager aussi à pratiquer le bien. Voilà, tu viens de découvrir un acte d'adoration, quelque chose qui, mashallah, est bien. Transmets-le. Il n'y a pas un d'entre nous ici qui n'a pas des amis, des copains et compagnie. Transmets. Ah, Shabab, hier, j'ai entendu telle et telle chose. Tu tombes sur un lien, mashallah, d'un dars ou autre. Transmets. Et aujourd'hui, on n'a pas d'excuses avec tous les moyens qu'il y a. Notre génération, on n'a pas connu tous ces moyens-là. Comment est-ce qu'on transférait les choses, l'arda alikoum? Sincèrement. Aoulah, on n'avait pas. Tu entends une chose, tu sors jamais salam alaikum. Si tu rencontres un cousin ou là quelque chose, parce que les rencontres, c'est le vendredi soir, et blablabla, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, il y en a, ils ne bougent même plus le vendredi. Même les rencontres du vendredi qu'il y avait avant, chez nos parents, ça a quasi perdu. Mais on a, c'est le téléphone maintenant qui fonctionne. Transmets. Et l'arda alikoum.
Ibn al-Jawzi, rahimahullah, belle parole, il dit. Et ça, c'est des choses qu'après, c'est bien de recopier dans vos petits, vos petites feuilles que vous pouvez coller comme ça sur votre table de chevet ou bien... Hein. Il dit, l'homme devrait réaliser l'importance et la valeur de son temps pour ne pas en perdre un seul instant. Sans y faire. Et il va citer certaines actions. Sans y faire quoi? Il dit la première chose, un acte d'adoration. Offrir une bonne parole, une bonne œuvre. S'efforcer d'avoir son intention exclusivement et éternellement portée vers le bien. Toujours, toute action que tu veux faire, ton intention première, c'est quoi? Le bien. Ni l'orgueil, ni pour te montrer que, mashallah, tu t'y connais, tu sais parler, tu sais corriger les gens, tu sais, abadan. Sache, tu es le premier alors à ce moment-là qui est mauvais, loin de là. On commet tous des erreurs. Donc il dit, fais en sorte que toute ton intention, chaque fois que tu fais quelque chose, ton intention durant toute ta vie, eh bien, à chaque fois, elle est rattachée et portée vers le bien. Et il dit, en étant suffisamment armé d'ardeur, ne faisant tout de même que l'effort que son corps est capable de faire. Ça, c'est important. Très souvent, nos mashayikh, hafidhahumullah et rahimallah al-jami', par exemple, Cheikh Al-Uthaymeen rahimallah, dans les liqa'at qu'il faisait dans les fatawa, très souvent, ittaqullaha mastata'tum. Tout le temps, il répétait cela. Craignez Allah d'après vos moyens. C'est-à-dire, faites ce que vous êtes capable de faire. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est coranique, hein, c'est une règle importante. Jamais Allah ne va imposer à un corps ce qu'il n'est pas capable de faire. Regardez, mashallah, comment c'est beau. C'est pour cela que, par exemple, chez nous, tout ce qui est le domaine de l'extrême, et vous pouvez même rajouter le isme à côté, tout ce qui est l'extrême est rejeté dans notre religion. Toute personne qui veut venir dans la religion de manière dure et qui va penser qu'en restructurant son temps, il va y mettre 500 000 choses, ça c'est déjà un mode d'emploi qui nous est donné par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça tombe bien, c'est lui qui nous a créés. Il connaît nos limites, ya shabab. Ya les frères et sœurs, il connaît nos limites. Et moi, je ne suis pas comme toi, toi tu n'es pas comme l'autre, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il nous prévient. Chacun fait d'après ses possibilités. Et ça sous-entend que tu ne dois pas venir commencer à critiquer l'autre. Tu peux juste lui demander. Ah tiens, j'ai remarqué, t'es parti, pourquoi t'es pas resté qu'à là? Ah ben voilà, je suis malade, j'ai tel souci. Ah, qu'Allah, ah, regardez, ça se termine par une invocation, qu'Allah te guérisse, qu'à là. Chacun est capable de. Mais le minimum, ça bouge. On te dit aussi, Allah d'alikoum, ça c'est mon Qayyim rahimullah qui le rappelle dans le Fawaid, il dit, la perte de temps. Regardez comment ils étaient. Et ces gens-là, subhanallah, shabab, ils donnaient tout le temps qu'ils avaient. C'est des savants qui ont marqué l'histoire. Hein. C'est jamais chez les sœurs s'ils ont écrit des petites questions. Et chez les garçons, il y a un jeune qui va se lever. Non, laissez le cheikh, miskin, hafidhahullah. Un jeune qui se lève, les ramasser. Allah hafidhak, cheikhna. Il te dit, regardez ce qu'ils disent. Hein. Il dit, la perte de temps est pire que la mort, ya shabab. Restez concentrés, les petits papiers, celui-là qui en a, il lève la main au salam. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la perte de temps, elle est pire que la mort. Vous avez entendu les frères et sœurs? Pire que quoi? Pire que la mort. Vous savez pourquoi? Il dit parce que la perte de temps, elle te sépare d'Allah et du jour dernier. Tandis que la mort, elle te sépare de ce bas monde et de ces gens. Tout subhanallah. Ah, c'était des personnes très très intelligentes. Regardez la différence. La perte de temps, elle te sépare d'Allah et du jour dernier, effectivement. Parce que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure là? Ta mission sur terre, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que tu commences à perdre du temps, tu te déconnectes directement, tu peux me les donner. Barakallah, Allah, frère. Dès que tu, et on arrête les questions côté frère, dès que tu te déconnectes, tu n'as plus aucune relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça sous-entend que tes actions, elles sont comme vaines. C'est comme si c'est une perte de temps, il n'y a rien dedans. Imaginez. Wallahi. Et on vous dit aussi, Allah d'alikoum, que, et là on arrive à la fin, pour structurer donc sa vie, je vais vous donner quelques points qu'on retrouve comme ça un petit peu chez des gens spécialisés dans le domaine, mais ici je résume, parce que ce n'est qu'un, c'est un dars, donc on résume, et je vous pousse, vous, à aller chercher. Alhamdoulilah, ça c'est pas un sujet, comme on dit, entre guillemets, où il faut absolument, cette dernière partie, où il faut absolument être connaisseur de hadith ou autre, parce que ça, on est dans le domaine de la structure du temps. D'accord? Et il y a un tas de sites qui peuvent vous aider par rapport à cela. Alors, quand on va poser cette question, et dans le domaine religieux, il y a un mot-clé qui revient toujours. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand tu veux faire une action, il y a un mot-clé, toujours, c'est le titre principal. Qu'est-ce qu'on avait dit? Non? Ça commence par IN, je donne déjà la réponse. Zid? L'intention. Innamal a'malu binniyat. Le hadith est plus long, mais
on nous rappelle avec certitude que les actes valent d'après leur intention. Ça, c'est clair et net. Et même dans son Sharh al-Arba'in et autres, allez voir chez les mashayikh, la plupart du temps, que ce soit chez le Taïm rahimallah, très souvent, il rappelle, et puis voilà, une action sans intention, c'est comme si c'est une action qui est vaine, comme si elle ne sert à rien, mais toujours une intention. Vous allez à l'école, Yac ? Beaucoup vont à l'école, secondaire, supérieure, primaire. Ben même en sortant de la maison, mais une intention. Je vais étudier pour que, Inch'Allah, ça apporte un bien pour moi, ma famille, la communauté musulmane, la société dans laquelle je vis. C'est une intention. Il y a plein de jeunes, ils se trompent. Ils disent, non, mais ça c'est que l'école, à quoi ça sert, monsieur ? Abadan. Apprendre, c'est un acte qui plaît à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on a alors les sciences, comme vous le savez, religieuses, on a les sciences profanes. C'est ce qui, mashallah, construit un homme, une femme. On a besoin des deux dans notre vie. On a besoin des deux, Allah radhalikum. Mais une intention. On te dit aussi, Allah radhalikum, premier point, si tu vas entreprendre quelque chose dans ta vie, donc on a dit l'intention. Et deuxième point, en sortant de chez toi, qu'est-ce qu'on a dit? Fais en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit aussi ta préoccupation. Donc on va le faire comme si en deux petites parties. Je vous ai dit, la première qu'on vient de faire, elle est dans le domaine, alhamdoulilah, religieux. Et puis je vous préviendrai directement lorsqu'on va rentrer plus dans le domaine technique. Vous verrez. Troisièmement, que tu sois donc un étudiant, un ouvrier, un employé, un enseignant, tout ce que tu veux, enseignant, imam, prédicateur ou n'importe, toujours aie l'intention de faire aimer les choses aux gens. Tu peux être qui tu veux. Fais aimer certaines choses aux gens. Et la première des choses à faire aimer, c'est l'adoration de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais que ce que je vais dire en bête, des fois, fut un temps, pour ça il faut bien me comprendre, parce que je sais qu'il y a de nouveau les groupes, chacun comment il voit les autres, fut un temps, à Bruxelles, il y avait ce qu'on appelle Jama'at Tablir, vous vous rappelez, hein? Sahab Da'wa, comme on les appelait. Fut un temps, il n'y avait pas un quartier où il n'y avait pas un groupe. Ces gars-là, il n'y a pas une heure ou deux heures ou trois heures qui passent sans qu'ils te rappellent dans le quartier, hé, cela. « Ah, Shabab, Jama'a, ah, Shabab, Ankum Jahannam, Ankum Kada, Allah, il vous aime, venez prier, venez adhérer. » Après, subhanallah, et je comprends, est arrivé, vous savez que la science qui commence à se propager, les jeunes disent « Ah non, ça c'est innovation, Kada, Haram, là, 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 là. » Pourquoi? Parce qu'il y a des petites erreurs, ou bien comme dans chaque groupe, on a des fois hein, des gens qui, dans ce groupe, pratiquent de manière normale. Moi, j'ai des amis qui sont dans le tablier, ils me parlent clair et net, parce que c'est des amis très proches, ils me disent « Naam, ils me disent, on a des groupes qui font des choses de fou, qui vont dans tel pays, ils vont là où il y a des anciens qui sont enterrés. Est-ce que tu crois que les Dreid Moulim, quand ils établirent, c'est ça qu'ils font? On les connaissait, c'est faux. Qu'est-ce qui s'est passé? Tellement d'attaques, la plupart d'entre eux ont arrêté. Ou bien on ne les voit plus sur Bruxelles, et des fois quand je les rencontre, je dis eh, fais là, frère, avant on te voyait au Canada. Elle me dit ah, on part vers la France, on part vers je ne sais pas où, salam alaikum. Ou bien à Charleroi, à Manarafchené. Et non, on fait qu'une petite soirée, puis salam alaykoum. Il n'y a plus. Qui parle à nos jeunes dans les quartiers aujourd'hui? Allah, c'est... Qui parle? Personne. Les jeunes de Bruxelles, c'est comme en France. En France, ils appellent la BAC. Yak. À Bruxelles, on l'appelle la BSR. C'est la Golf noire et la Passat. Là, on appelle tout ce qui est noir. Là, avec les policiers en civil, tous des petites bases. Là. Yak. Avant, dès qu'on les voyait arriver, on était gamins, tout le monde... Tout le monde est arabe. Yak, taïb. Ah, taïb, c'est le petit truc habituel. Voilà. Même encore aujourd'hui, dès qu'ils voient la gauche noire arriver, le sang, il commence à... Hein? C'est juste. Quand les sahab da'wa sont apparus, on les appelait, vous rappelez, yak? On disait la BSD, la brigade sahab da'wa. C'est-à-dire, s'ils t'attrapent dans un quartier, t'es mort, c'est direct la mosquée. Dralé, quand ils les voyaient venir, ils faisaient... Dralé, azna al-maghrib al-isha al-jama'a. Wallah, ils venaient à 10, ils bloquaient dans le coin à Riboukour, et ils nous prenaient à Badr bien, yallah. Frère, je dois faire les ablutions. On a tout. Je ne suis pas bien habillé. On a tout, je t'ai dit. On a le Kandora, on a tout. Mon père, ton père, on le connaît. On va lui parler après. Il va même nous donner les doigts qu'on t'a pris. Et voilà, on était emprisonnés 3 heures. La glace. Aujourd'hui, il y a quoi? Et on allait fâcher. Je me rappelle, j'avais 12, 13 ans. Là, on allait fâcher à la mosquée. 5 minutes après, tu étais content avec eux. Ils discutent, ils rigolent. Aujourd'hui, on a quoi? Petite conférence par semaine, là, il y a encore le jour où on va avoir les jambes cassées, là, il n'y aura plus rien. C'est la vérité. Il y a quoi aujourd'hui? Donc c'est bien de dire, ah, il y a... Mais qu'est-ce qu'on a apporté à la place pour
mashallah, parler et transmettre. On te dit aussi, Allah rida alik, n'entame pas une activité en ayant l'intention de nuire aux autres. Et désolé de citer toujours cet exemple, mais parce qu'il me tient à cœur, ne va pas apprendre pour devenir un orgueilleux après, et pour commencer à juger, à rabaisser les autres. Ne fais pas ton possible pour avoir des bons points ou je ne sais quoi, pour rabaisser les autres. Ne fais pas ton possible pour devenir un chef d'équipe, un chef de chantier, un chef de je ne sais pas quoi, un diplômé, pour toujours rabaisser les autres dans la famille ou bien au quartier ou autre. Parce que le premier qui va être rabaissé, c'est toi. Et ça rentre dans la structure, wallah, et de notre temps. Parce que une mauvaise action, hein, un mauvais caractère, ton temps il est foutu. Alash, parce que de nouveau, tu tombes dans le monde des mauvaises actions. T'es foutu. C'est très très important de la vie. Ça paraît simple, mais c'est très très lourd. Et on te dit aussi, dans le domaine maintenant technique, hein, je vois ceux qui notent, dans le domaine technique, autour de nous. Très souvent, j'ai été voir un peu dans différents sites, que ce soit psychologique, ADA, ceci, structure du temps. Je résume, hein. Ici j'ai résumé, après aller lire à votre aise, on te dit la première, une des choses par exemple, c'est de faire en sorte de penser, d'imaginer, d'adopter un projet de vie. Là quand je lisais, je dis sincèrement, c'est vrai que nous on est très souvent dans le domaine, c'est comme ça, de la théologie, et souvent dans des livres, là, et de tafsir, kada, ceci, voilà, parce que c'est un peu notre domaine, on a grandi comme ça là-dedans. Quand tu vas lire là-dedans, des fois tu restes étonné, tu trouves même toi-même, des fois tu as fait une erreur, tu t'es mis 36 projets. Voilà pourquoi certains ils n'arrivent pas à mettre en pratique certaines choses. Ils ont 36 projets. Ils veulent faire tout à la fois. On te dit non. On te dit toujours, selon tes capacités, choisis un projet qui servira, Inch'Allah, un, ta vie, mais, ça c'est quand tu vas, hein, des fois dans des recherches et qu'il y a des professeurs musulmans ou autres, ou des psychologues musulmans, ils te disent, mais fais en sorte que ça va aussi, essaye, hein, que ça va aussi aider les générations futures. C'est-à-dire que tu laisses une trace. Je donne un simple exemple. L'année où on a lancé avec des jeunes ici à Bruxelles, le fait d'aller donner à manger à la gare, aux sans-abri. Certains d'entre vous, Allah, ils pourraient penser que c'est un acte simple. Ils ont donné à manger. Moi, j'ai été une fois, et j'oublierai jamais l'expérience de ma vie. Une fois, j'ai été. Je sais que quand je vais le raconter, ça, vous allez me dire, oh, quelle ruina, c'est quoi? J'arrive. Je trouve des Mrabadiennam Sakin maghrébins sans papier. Donc c'était à la gare, c'était gare du Nord à ce moment-là, quand j'avais été là, à nuit, vous savez, Mousdlib, gare du Nord. Et au moment où je rentre, avec ceux qui donnent à manger, je trouve avec les maghrébins, il y a un belge avec eux, de souche, et que des bouteilles d'alcool. Et puis Fred, ils mettent la bouteille derrière. Donc, comme si de rien, je vais chez eux, ça m'incombe, la base, voilà, ben venez, on a apporté de quoi manger, kada kada. Et puis, subhanallah, un d'entre eux, il vient chez moi, il me dit, je peux te parler? Je dis, ouais. Il me dit, je veux te dire deux choses. Il me dit, tu me crois ou tu ne me crois pas? Il me dit, moi, ça ne me regarde pas, c'est juste parce que je t'ai gêné. Il me dit, moi, je sais que tu as vu les bouteilles. Il me dit, Allah est témoin, j'ai froid. C'est vrai, il faisait très, très froid, c'était en décembre. Il me dit, je crève de froid. Il dit, il y en a, je sais, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas boire. Mais il me dit, nous, on ferme les chauffages, j'ai froid, donc on boit, et jusqu'à ce qu'on tombe, on dort, on ouvre les yeux le matin. Il dit, voilà, je suis désolé. Allah, vous savez comment il parle des fois? Je le regarde, subhanallah, regarde. Et je dis à la deuxième, il me dit à la deuxième, tu vois le Belge qui est avec nous, il me dit, il veut te parler. Il y a moyen de mieux, je dis, ouais, il vient. Je dis, ouais. Il me dit, écoute, je suis avec lui depuis plusieurs mois. Mais subhanallah, ça, Allah, je ne sais pas pourquoi, je vous dis, c'est un peu mrouan. Il me dit, et ils m'ont cassé la tête, tous les soirs, ils parlent de l'islam et d'Allah. Allah, j'étais là, je dis, la ilaha illallah. Je dis, et il me dit, au début, moi, ça ne me dit rien. Mais il me dit, maintenant, je sens que je veux devenir musulman. Je dis, ben, t'es prêt? Il me dit, oui, oui, prêt. Il a fait la shahada. Ils sont passés des mois. Un jour, j'étais au centre, un, il rentre. Bien habillé, normal. Bien. Dame, le professeur, vous ne vous rappelez pas de moi? Je dis, je vois beaucoup de têtes. Je dis, garde du Nord, l'islam, vous rappelez-le? Je le regarde, je dis, ah, machallah. Je dis, vous avez. Il me dit, oui, il me dit, vos copains, ils sont occupés de nous. On a les CPS, on a eu un logement. Maintenant, j'ai fait une formation. Maintenant, je travaille. Et il me dit, je suis venu. Est-ce que vous n'avez pas des adresses où je peux aider? Je peux faire quelque chose? J'ai dit, Allahu Akbar. Il se peut qu'un d'entre nous, s'il passe par là, qu'est-ce qu'il peut dire? Zbelchouf. Hey, ouais. Escrow, comme d'animaux. Ça arrive ou pas? Regarde d'où il vient, c'est mis un projet. Il m'a dit, je veux aider.
Est-ce que vous pouvez reparler avec ces jeunes-là pour que je puisse aussi faire... Je parlais dernièrement avec des jeunes qui le font à Marchienne. Vous voyez, à Charleroi, Marchienne au pont. La même chose. Ils ont commencé cette activité. Maintenant, il me dit, il y a plein de jeunes... Ça, c'est une activité, donner à manger aux pauvres. On n'a pas d'autres idées. Pour être fier, tu arrives auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on te demande, qu'est-ce que tu as apporté pour la communauté? Tu ne peux pas être fier de dire, j'ai fait ça. Même au quartier. Cheikh Hafidhahullah, la mosquée Al-Khalil, quand on était jeune, il nous faisait l'activité, c'était quoi? Il nous disait, une fois tous les temps, on vous achète les balais, vous balayez la rue. Je me disais, mais c'est pas nous, Bruxelles Propreté, les payer. Là, on était gamin, on répondait comme ça. Il dit, là, vous étudiez maintenant des hadiths et autres, c'est un bien pour le quartier, c'est une image même pour l'islam. Et effectivement, ils n'avaient pas tort. Dès qu'on commençait, il y en avait venu du quartier, des Belges et tout, ils disaient, pourquoi vous faites ça? Des fois, ils nous disaient, vous habitez où? Je leur disais, Berkem, pourquoi vous faites ça? Vous n'êtes pas d'ici, vous êtes... Je dis, ouais, je dis, mais voilà, c'est un bien, parce que l'islam nous demande. Ça a poussé la mosquée à faire après ce qu'on appelle les journées portes ouvertes. Ça, on fait rarement dans nos quartiers, dans nos mosquées. Journées portes ouvertes. Les musulmans du quartier, tu mets une grande banderole, vous êtes les bienvenus. Venez poser vos questions, venez découvrir, venez, venez, venez. On a plein de projets. Pourquoi on ne les met pas? Il y a plein d'idées. Une chose, l'ardalik, n'écoute pas ceux qui critiquent. Parce que tu parles là dans notre communauté spécialiste. Même si tu dis que tu vas porter une bouteille, il va te sortir 30 excuses pour ne pas la porter. Là, testez, vous allez voir. C'est rare que autour de nous, dès que tu dis j'ai un projet, tout le monde te dit Mashallah, Bismillah, en quoi je peux aider? Il y a toujours une critique de quelque chose. Deuxième point, Khalik définit, développe plutôt, développer les compétences et les talents. Ah, subhanallah, tout à l'heure j'étais à la khutbah de mon beau-frère à la mosquée Moutaqin, il a soulevé ça. Wallah, il a soulevé ce point. Il a fait toute une khutbah là-dessus. Développer les compétences qu'on a chez nos enfants. Et il a sorti un bel exemple qui résume tout ce que je veux dire pour ce point-là. Il a dit, nous, des fois, quand on a des enfants à la maison qui commencent à trop poser de questions, qu'est-ce qu'on fait? Ah, là, tu m'as dar la tête. Allez, va au parc, yallah. C'est tout. Vache ta mère. Il va y hammak sa mère. Qu'est-ce qu'elle dit alors la mère? Vache ton père. Non, c'est mon père qui m'a dit, viens, monte à ta chambre alors. Va hammak ta chambre. Parle comme un fou tout seul. On est quelqu'un. Alors que dans d'autres sociétés, ils ont des spécialistes qui captent ces élèves-là. On a dans des écoles, moi je suis enseignant, je le vois. Il y a des fois des profs qui en parlent, hop, ça arrive aux oreilles des PMS, tac, ils le font un examen de QI le lendemain, où est-ce qu'il est l'élève, parce qu'il est déjà arrivé en sixième. Il passe de 3 à 6. C'est juste ou pas, Chebab? Il y a des communautés, ils développent ces compétences. Pourquoi? Pour pouvoir structurer le temps de cet enfant plus tard. On a des compétences, mais je ne sais pas pourquoi, mais dans la communauté musulmane, on a des compétences de dingue, vous serez étonnés. Mais on a des familles qui ont sûrement des compétences à la maison, mais... Ils n'ont pas les outils pour le savoir. Il faudrait des conférences dans ce domaine. Il faudrait des, je sais pas moi, une association qui se lance dans ce domaine. Bien même les mosquées ont le droit de le faire avec certains spécialistes des fois, hein, que ce soit à l'école arabe ou autre, faire des petites statistiques. Vous serez étonnés. Tu peux, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, changer la vie d'un enfant. Tu peux changer la vie d'un enfant. Il y en a des qui parlent trop, des fois on va même te dire, tu sais quoi, amel ruqya. Je crois que c'est un jinn de l'hadra qui l'a. Fais-lui la ruqya, parce que je crois que... Non, mais... C'est des choses qu'on entend. Hein. Et quand on dit développer les compétences, toujours apprendre à nos enfants à viser l'excellence. Ça rentre dans la structure de notre temps. C'est-à-dire étudier comme il faut. Allez, qu'on soit honnête, les jeunes. Vous n'avez pas des jeunes aujourd'hui. Même en secondaire, j'ai encore des jeunes qui calculent la moyenne. Ça, en septembre, il sait que la matière elle est encore chaude. Elle est simple. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un 18 sur 20, puis il te fait, monsieur, j'ai 8 points d'avance. Et ouais, il te fait, moi, en décembre, je fais 2 sur 20. 18 et 2, ça fait combien? 20 sur 40. À l'aise, monsieur, j'ai déjà la moitié. Et ouais, 6 mois tranquille. Donc, Inch'Allah, plus tard, tu auras une femme, des gosses, qui adaptent, tu vas structurer tout avec des plus 2, moins 2. Je dis, si un jour il manque une. Hein? Tu fais quoi? Wallah, c'est grave d'entendre ça aujourd'hui. Je l'entends tout le temps. Hein? Monsieur, j'ai 4 points d'avance. Décembre, à l'aise. Wallah, je fais 0, je suis bien. Et on le voit à l'examen, on a des élèves musulmans, ils viennent faire présence, acte de présence. Là, ils sourient. Hein. Ça vous rappelle des souvenirs. Hein. Là, ils rentrent en classe, ils savent qu'ils doivent rester une heure assis. Et même moi, parce que je donne l'examen de religion, je supplie l'élève, je dis, ah frère, religion, j'ai appris qu'on ne double pas. Ah ouais, religion islamique à l'école, tu ne doubles pas.
tout ce que je peux faire, t'embêter un travail de vacances. Et je dis, donc toi, en tant que musulman, c'est ça la vision de ta vie. Ta vie complète, c'est ça. Tu excelles en quoi, alors? En tahramiyat, ça se voit, ça j'ai déjà. Un, ça, moi, je suis persuadé. Le reste, alors, pourquoi on n'a pas ça dans l'éducation de nos enfants depuis qu'ils sont petits? Il fait des erreurs, remonte-lui le moral. Même nous, on s'est trompé quand on a commencé à éduquer. Parce qu'on n'a pas reçu des leçons là-dedans. On a toujours peur que l'enfant fait une erreur. C'est juste? Non. C'est avec les erreurs que l'enfant, il apprend. Et tu discutes. Et encore une, tu discutes et tu avances. Troisième point. Définis clairement ta vision de la vie. Alors là, je parle aux grands ados, là. Il y a les grands ados. Il y a les adultes. Définissez. Wallahi, hawlu, hawlu ma amkan. Faites votre possible de définir c'est quoi la vision. C'est-à-dire, écoutez bien, j'en ai mis quelques points. Quelles sont tes priorités pour cette année? Vous savez, on a parlé de priorités pour toute l'année, mais quelles sont tes priorités pour cette année? Nous, souvent, en Belgique, en Europe, on commence notre année au mois de septembre. Ça, juillet, août, c'est les vacances. Et on croit que parce que c'est les vacances, on lâche tout. Non, c'est le moment où tu commences alors à structurer. Prends du temps parce que tu es à l'aise. Mais quelles vont être tes priorités cette année? Un planning. Est-ce qu'on fait un planning de l'année? Ou là, on met juste dans le GSM les congés. Hein, on rentre en congé de la communauté française, congé de travail, congé de ceci, congé légaux, et on les ammar. Le reste, non, fais un planning. Un planning religieux, un planning par rapport au hobby que tu as, un planning par exemple par rapport au sport, par rapport à une visite quelque part. Fais un planning. Et pourquoi un planning est important? Parce qu'il structure le cerveau de la personne. Ou sinon le cerveau, il est volage. Quelqu'un qui n'a pas de planning, chaque jour, il peut commencer à inventer n'importe quoi. Je fais ça, non, cada, chaque année, il vient, hop, cela paraît, boum, il lâche, ça, comment on est parti. Là, tu fais un planning, tiens-toi à ce planning, ne lâche pas. C'est un peu comme nous, avec nos doros et autres, avec les moments où on est obligé de lire. Vous croyez que je ne suis pas un fatigué? Je suis aussi un crevard, des fois. Oh là, des fois, je suis mort. Mais c'est écrit, je dois lire tel et tel livre, tel et tel ceci, tel et tel passage. Oh là, je savais, même si je lis avec un œil, je vous l'ai déjà dit, faux. Change pas le planning. Des fois même, je fais une remarque, je dis, je l'ai lu avec un seul œil. Je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que je dois le relire. C'est que j'ai retenu que quelque chose, mais avec un œil, des fois, tu peux rater une phrase ou quelque chose. Il faut relire. Parce qu'il y a des moments où, c'est de la santé, les médicaments, ceci, cela, chacun d'entre nous, il a ses petits soucis. Et, lardalikoum, être organisé. Aussi, ne pas être anarchique. Pas faire les choses comme ça, n'importe comment, très rapidement. En se disant, j'ai pas pu terminer, c'est rien, laisse tomber, allez, salam alaikum. Et on met une croix sur la chose, non? Non? Reprogramme la chose, par exemple, une ou deux heures après, ou bien le lendemain, ou bien dans un moment où tu as mis un peu de repos au cadre. Mais on lâche pas, nous, très souvent, on baisse les bras, on se dit, non, ça n'a pas été, ben, tu sais quoi, laisse tomber. On te dit aussi, donner une juste place à chaque activité. Là, vous avez compris ce que je disais tout à l'heure, quand je cite le sport, il y en a plein, des fois, ils font semblant de faire dire ce que je n'ai pas dit. Disant, regardez les barbus, là, ils sont contre le sport. C'est de la folie, cette phrase. C'est de la folie. Le sport est très, très important. Moi, ce que je dis, c'est quand on donne 10 heures, 15 heures pour le sport, et on ne donne pas, subhanallah, autant d'heures pour le côté religieux. Et la preuve, vous êtes tous présents, hein? Que chacun ici voit le temps qu'il accorde, subhanallah, rien que pour tout ce qui est, par exemple, la lecture côté religieux. Allez voir, demandez, vous êtes là, demandez à votre cerveau, parce que vous connaissez exactement tout ce que vous faites, combien vous lisez. Chaque conférence, je vous ai juré de vous dire et de vous rappeler lecture du Coran, rien que ça, qui est une obligation pour chacun d'entre nous. Combien est-ce qu'on lit? Combien de pages? Et si on lit, qu'est-ce qu'on comprend? Allah, vous êtes tous là, et vous m'entendez tout le temps en parler, qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait rien de spécial. Ça, c'est, j'ai cité une chose importante, le Coran. Zid, un peu de lecture dans la sunna, dans l'histoire, biographie du prophète, tout ça, vous avez déjà entendu dans certaines conférences. Aussi, les révisions. Parce que qui dit avoir une structure dans certaines choses, dit que certaines choses, on doit d'office les réviser. Le temps passe. Ce que tu as appris il y a 5 ans, il y a des fois des nouveautés. Alors de nouveau, regardez quel travail. Travail de longue haleine. Il y a ceux qui disent qu'il n'y a rien à faire. C'est faux. Aussi, on te dit, l'ardalik, ne reporte jamais à demain ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Et ça, je crois que certains sont au courant, ils ont déjà entendu cette phrase-là, c'est catastrophique. C'est ce qui tue un homme et une femme. Wallahi. C'est de reporter à demain. Et Satan, vous le savez, il est là. Il sait qu'il y a une bonne action derrière. Il sait qu'il y a un bénéfice. Et des fois, il va dire, ouais, stop, ouais, à l'aise. Andek. Moi, des fois, je dois réviser des sujets que j'ai lus, sans exagérer. Je l'ai lu 15, une centaine de fois depuis
depuis qu'on apprend, depuis l'âge, comme je vous ai dit, de 15-16 ans, qu'on apprend. Il y a des sujets, je les ai lus 100 fois. Et des fois, Shaitan, il vient, tu dis, ah, tu l'as déjà lu, ça? Tu connais? Non, là, je le relis. Et c'est lourd, des fois, parce que tu dis, ah, mais je sais déjà ce qu'il va dire. Non, tu relis. Ne reporte pas. T'as mis qu'il y avait révision, refais-le. Alors, quatrième point, la patience et la persévérance. Tout ce que je viens de vous dire là, si tu veux structurer ta vie, la Shabab, c'est des mots-clés. La patience et la persévérance. Parce qu'il y aura des jours où tu n'aurais pas envie. Vous avez compris, on l'a dit tout à l'heure. Voilà pourquoi la patience, elle est là. Parce que des fois, aussi, on veut, et ça c'est une grave erreur, on veut les fruits directement. On veut les fruits directement. Au Sumhouli, je veux dire quelque chose qui dérange aussi des fois, même chez nous, les prédicateurs, écoutez bien, ceux qui font la da'wah, il m'arrive de voir des nouveaux, il vient, il fait une conférence, il n'y a que deux personnes devant lui. Il a fait une deuxième fois, il n'y a que deux. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête. Ouais, il n'y avait que deux personnes. Comment ça? L'année, on a subhanallah, reçu la permission de notre cher de commencer des doros. Al-Khalil, il m'a dit, monte. Cheikh Mohamed Hafidallah, il m'a dit, monte, parce qu'on le faisait dans une salle. Je suis monté. Wallah, Shabab, je suis resté assis pendant une heure, personne. Donc j'ai préparé le dars. On a fait l'i'lan, wallah, et personne. Cette histoire, je vous dis, elle a 30 ans. Ça fait 30 ans. Ça fait 18 ans. Personne dans la salle. Après une heure, Cheikh, il était occupé dans un bureau. J'étais, je dis, Cheikh, il n'y a personne. Il m'a dit, tu devais faire dars de quelle heure à quelle heure? Je dis, dans le Maghreb, il m'a dit, va t'asseoir. Il m'a dit, la parole que tu as donnée, c'est l'Acha. Va t'asseoir. Je dis, c'est Abda, je me dis, toi, tout le temps, blabla, et alors, va t'asseoir. J'avais un caractère, tu es des gamins. Je suis revenu la semaine d'après. Wallah, je n'avais personne. Une fois, un est venu. Un. Je crois que je vous l'avais dit une fois. Un est venu, et après un quart d'heure, il m'a dit, je parle. Parce que j'étais tout content, je commence mon das. Puis après un quart d'heure, il me fait, Wallah, monsieur, smahli, moi, je dois partir. Je dis, Jazakallah. Il est parti, je suis resté dans la salle. Et la même chose, Cheikh, il est passé, il m'a dit, il n'y a personne après l'église. Jusqu'à quelle heure? Je dis, l'achat, l'église. Voilà. Et maintenant, tu en as même certains qui sont des fois jaloux. Tu fais un dars, il y a plein de jeunes, l'autre, il vient de commencer, il commence à... Ouais, mais pourquoi un tel? Pourquoi ce... Eh, Adam, Allahu Akbar. Même dans le travail, même quand tu ouvres un petit magasin, une petite association, quelque chose, jamais ne va regarder les autres. Parce que ton travail, c'est pour plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Même si tu fais une activité dans la famille, même si ça critique, même patiente, persévère, ne baisse jamais les bras et fais en sorte, comme j'ai mis à mis ici, que des fois, certaines situations, tu dois être un obstiné. Ça veut dire, c'est un caractère qu'on doit apprendre à nos enfants depuis qu'ils sont petits. C'est-à-dire, ne lâche pas. Garde toujours dans ton intention que là, inshallah, il y a un bénéfice. Il y a des hasanats là-dessus. Et cinquième point, l'avant-dernier, ne pense pas. Il y a les jeunes, même les parents, même tout le monde ici. Ne pense pas que parce que tu as 20 ans, 30, 50, 60, c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Il y en a plein qui nous disent, ouais, mais c'est trop tard. Mais non, monsieur, moi, je travaille. La abadan. Tu veux, tu peux, bénir. Et c'est pour ça qu'on vous dit, lard alikoum, à ce moment-là, participez à des activités. Même si des fois, ton temps est très serré, toi, mais il est trop tard que moi, je lance quelque chose. Cherche après une association qui fait du bien à gauche, à droite, alikoum salam, là. D'accord. Des fois même, je dis à nos jeunes, revenez à des études, revenez à des formations. Moi, je suis content, je donne cours à la mosquée Amal le soir. Tabarakallah, je suis content de voir des couples qui viennent ensemble. Voilà, des couples. Et ils se battent, ils me disent, c'est pas facile, monsieur. Je dis, Allah, il me dit, parce qu'on prend notre gosse. On demande des fois à la grand-mère, elle dit, non, je suis occupé, on va chez le frère, non, kada. Et on court comme des fous, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un. Des fois, il me dit, c'est même pas la famille qui tient nos enfants, des fois, c'est un ami. Il me dit, même si c'est gênant, mais on fait notre possible. Et t'es heureux de voir ça. Nous, on a des fois des jeunes, dès qu'ils se marient, ceux-là, c'est une catastrophe certaine. Dès qu'ils se marient, ils croient qu'ils ont reçu le Graal de je ne sais quoi. Fini. Plus de cours, plus rien. Tu ne les vois plus jamais. Moi, j'ai des jeunes, je les vois chez moi au cours tout le temps. Dès qu'ils disparaissent, c'est à 99%. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, il s'est marié, Abdel. Allahu Akbar. Depuis quand le mariage, il te coupe de... Talabou l'ilm et autres. Normalement, l'axe, au contraire. Aoula... Quand ils veulent arnaquer la fille, ils vont à toutes les conférences avec elle. Hein, dès qu'ils font d'être là, dès qu'ils font le khotoba, ils vont jamais, ils vont écouter de dos au sens. Ils deviennent tous des machaïr, ils vont partout. Et une fois qu'ils font la grande fête, voilà, personne. Ah, tu vois plus personne. Est-ce que ça, c'est une manière de se structurer? Est-ce que c'est sérieux aussi? Non. Et pour terminer, tout projet qu'on adopte,
s'il vous plaît. Il y a quelques points clés. Il n'y en a que quatre. Très rapide, il n'y a pas besoin d'expliquer. Tout en français, ils sont simples. Un, évaluer. Vous voyez tout ce que je vous demande, programme, cadre, évaluer. De temps en temps, arrêtez-vous. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait de bien, de pas bien, cadre. Deux, voir qu'est-ce qui ne va pas. Et ça, entre parenthèses, vous pouvez demander à quelqu'un qui vous connaît, qui connaît votre projet. Peut-être qu'il va te dire, excuse-moi, c'est bien que tu me le dis, mais tu es un peu trop rapide, ou bien tu es un peu trop trash, tu parles trop dur, ça dépend si tu es dans le domaine social. Allahu alam. Donc, demandez. Faire, à ce moment-là, on voit au point 3, c'est lequel ? L'autocritique. Accepte des fois de reconnaître que, par exemple, voilà, tu as lancé un projet, il y a un petit domaine où, voilà, tu as exagéré. Tu as mis trop d'heures à un point où tu as délaissé ta femme, tes enfants, ou bien c'est encore à la maison, tu as délaissé tes parents, ou tu as délaissé tes études, tu as délaissé ta religion. Vous voyez pourquoi est-ce que c'est important de bien calculer et d'être honnête envers soi-même. Je suis capable de donner 2 heures, je donne 2 heures. Et le dernier point, l'ardalikoum, mais en rapport avec la sourate qu'on a vue aussi, c'est de demander conseil et d'accepter les conseils. Demande. Cherche même à gauche, à droite, quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine ou qui a déjà une expérience dans le domaine que tu es en train de faire. Va poser des questions dans ce domaine-là. Fais en sorte d'accepter aussi les conseils et te dire, ah, voilà, c'est vrai, j'ai accordé, j'ai fait, cada, cada. Ah, voilà, j'espère, Inch'Allah, que ces quelques points, ces quelques rappels vous aideront, parce que, comme je vous ai dit, ça me touche toujours d'entendre notre jeunesse et beaucoup de jeunes dire qu'on n'a rien à faire, c'est mort. Tous ces termes-là, on doit les éradiquer de notre vie. Un musulman ne parle pas de cette manière-là, sincèrement. Un musulman sait que le temps qu'il a entre les mains, ça a une valeur immense. Et il sait, comme vous l'avez entendu, que le jour du jugement dernier, il va être questionné par rapport à ce potentiel. Donc, tant, barakallahu fikoum,